Non, Eddie, il est trop tard pour jouer à la baballe. T'es vraiment trop bête. D'accord, on va jouer à mon jeu préféré. Va chercher! Et reste-y! Fais trembler la maison tant que tu veux. Je ne vais pas me lever pour t'ouvrir, Rudy. Mon propulseur à pompe photonique a disparu. Sans lui, je n'arriverai jamais à temps pour aller chercher le pain. Et je vais me retrouver coincé dans les embouteillages autour d'Alpha du Centaure. Quelle galère! Ah, le voilà! Chère curieuse forme de vie quadrupède, tu m'as évité une scène de ménage. J'aime beaucoup tes antennes. Comment pourrais-je te remercier? Oh, étrange chose! C'est très intéressant tout ça! Oh oh! Il n'est pas content! On dirait que cette créature orange égoïste a la belle vue! Et si on inversait les rôles, ça lui apprendra. Et le tour est joué. C'est bien beau tout ça, mais j'ai une baguette à acheter, moi. Arrête. Garfield? Très drôle, tu as quelque chose à te faire pardonner? Mais où est passé Audi? D'où vient cette horrible puanteur? Ça me donne la nausée. Oh, perc! Pourquoi j'ai une haleine de chien? Je vais aller me brosser les dents, tiens. Comment je suis arrivé ici? Je suis somnambule ou quoi? Ah, tu es là, Audi. Hein? Entre, le petit déjeuner est prêt. Ah, il a toujours pas retenu mon nom, après tant d'années. Des lasagnes au petit déj. Une petite minute. Si lui, c'est Garfield, alors je suis qui, moi? C'est impossible. Oh, Audi et moi avons échangé nos corps, ça veut dire que... Audi, t'en feras de manger mes lasagnes! Et voilà pour toi, Audi! Burk! Oh, ben, je commence à comprendre d'où Audi tire son haleine! Oh, de question que je manque ça! Où je te dis, reprends ta gamelle et rends-moi mes lasagnes! Bon, pas de panique, je reviens tout de suite. Audi, tu essaies de me dire quelque chose? Oui, 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 John, c'est moi Garfield. Je suis coincé dans le corps d'Audi, fais quelque chose. Ah, j'ai compris Audi, tu veux aller te promener? Non. Ça va pas Audi? Non, je veux pas y aller. C'est un vrai cauchemar! Je dois me réveiller, c'est ça! Oui, je rêve! Réveille-toi! J'arrive pas à le croire! Audi, regarde mon émission de télé préférée, assis à ma place préférée! Dans mon
corps préféré. Bien, on va encore courir 10-15 km. J'ai fait assez de sport pour mes 9 vies, là. C'est moi. Pierre-Phil. Mais oui, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Attends, je te le jure, je suis vraiment Garfield. Je peux te le prouver. L'année dernière, j'ai mangé tout ton gâteau d'anniversaire sans faire exprès. Et je me suis endormi devant la télé à notre premier rendez-vous. Merci de me rappeler ces merveilleux souvenirs. Garfield, mais qu'est-ce que tu fabriques dans le corps d'Audi? Mais j'en sais rien, moi. Tu n'as que ce que tu mérites à force d'embêter ce pauvre Audi. C'est vrai. Je l'ai toujours traité comme un chien. Et maintenant, j'en suis un. Oh, mais sois positif, Garfield. Pense à toutes les nouvelles choses que tu peux faire maintenant que tu es un chien. Ah oui, comme quoi? Courir après ma propre queue et passer ma journée à baver. Hé, hey, salut les amis. Hé, hey, vous vous promenez sur cet affreux Garfield d'aujourd'hui? Tu sais quoi, Arlène? T'as peut-être raison. Oh. Ah, c'est marrant. Audi, mais t'es fou ou quoi? Ces chiens ont juré de me faire la peau! Audi, viens ici! Garfield, on dirait bien que cette fois on tient bien. Laissez-moi, lui, enfin moi, lui, tranquille. Audi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu protèges Garfield maintenant? Est-ce qu'il a déjà fait une seule chose gentille pour toi? Une chose gentille, non. Hein? Mon nono porte bonheur. Audi, viens un chien, enfin chat. Pas un bruit. Pas bouger, pas bouger, d'accord? Il est parti où, le greffier? Mais attends! Comment être sûr que tu dis la vérité? Je le jure. Parole de chien. Ouf! Eh ben, c'était moins une. Allez, on rentre à la maison, Audi. Hein? Audi? Audi, mais où es-tu passé, espèce de... Oh! Audi, non! Oh, ça doit être mon jour de chance. Je vais enfin me débarrasser de ce fléau une fois pour toutes. Un aller simple pour Ouagadougou. Ce facteur va poster ma fourrure en Afrique! Audi, t'es là-dedans? Ça, les griffes de chien, c'est vraiment nul. Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques là, le chien? Encore un exemple à ajouter sur la liste de la supériorité des chats sur les chiens. Les chiens ne retombent pas gracieusement sur leurs pattes. Oh, le voilà enfin. Hein? Tiens bon, Audi! Un portable? Risquer ma vie pour un ordinateur portable? Mais où est passé cet idiot de chien? Hé, hey, reviens ici, sale voleur! Oh non! Audi, attends! Par ici! Mauvaise pioche! Par ici!
Viens ici, espèce de sac à puce orange! Non! Pas par là! Odile, vas-y! Ah, passe! Adieu, monde cruel! Je regrette de ne pas avoir été toujours sympa avec toi, le chien. Adieu, Odie. Je vous où je viens, je suis à passer. Je vous où je viens, je suis à passer. Voyons voir comment se porte mon ami à quatre pattes. Par les anneaux de Saturne. Je n'aurais peut-être pas dû m'en mêler. Vite, vite, arrangeons toute cette histoire avant qu'il ne finisse en chair à pâté. Et voilà. Mais moustache adorée, ma magnifique fourrure orange. Je suis re-moi. Je suis Garfield. Pas de doute, tout est redevenu normal. Tout bien réfléchi, il y a presque assez de place pour deux sur ce fauteuil, pas vrai? John décide de me laisser dans ce restaurant où on peut se servir à volonté. Il me dit, j'en reviendrai quand t'auras l'estomac plein. Il est repassé 3 semaines plus tard. Ce qui était pas plus mal, étant donné que le restaurant venait de fermer. Je leur avais vidé tout leur stock de nourriture. Oh, Garfield, tu racontes tellement bien les histoires. Raconte-en une autre. Non, pas maintenant. C'est l'heure de ma sieste. Mais comment tu peux le savoir? Tu ne portes pas de montre. J'en ai pas besoin. C'est toujours l'heure de ma sieste. D'accord, alors faites vos rêves. Attends, attends. Moi, je veux une autre histoire. Non, une autre fois, Nerval. Garfield, je partirai pas d'ici tant que j'aurai pas eu mon histoire. Alors, ça vient? Elle te plaît, celle du chat volant? Et descendez ma poubelle. Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous faites caché dans une poubelle? Vite, cachez-vous, il arrive. Quoi? Qui? Chut! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous parlez doucement? Je l'ai échappé, Belle. Il m'a pas vu. Je peux vous faire confiance? Quel est votre nom? Je suis Nerval le chaton le plus mignon de l'univers. Pouvez-vous le prouver? Ça se voit, non? Bof. Bon, je prends le risque, tant pis. Je m'appelle X, agent X. Je suis un agent secret 000 en mission ultra top secrète. Ça alors? Un vrai agent secret? Oh, pas si fort. Le type qu'on a vu fait partie d'un complot visant à transformer les humains en peau de banane. Vous devez m'aider. Bon, il revient par là. Ah, te voilà enfin. Je te tire. Oups, désolé. Raté. Tunaire, vous devez me cacher avant qu'il revienne. Garfield, j'ai avec moi un agent 000 en mission ultra top secrète. Je peux le cacher dans ta cabane à outils. Oh, laisse-moi dormir. Merci, Garfield. Jamais ici. Ça ira. Mais maintenant, il faut vraiment que je mange. Je dois prendre des forces si je veux pouvoir sauver toute l'humanité. Je vous apporte ça tout de suite. Garfield va être content, Odie. Je vous ai préparé des lasagnes. Je vais les laisser refroidir le temps d'aller chercher le courrier. Oh, ça y est, le repas est servi. Oh! Alors là, chapeau! Il a battu son record!
Il a tout avalé en 15 secondes. N'essaie pas de m'avoir, Garfield. Tu as déjà mangé. Ah bon? Oh, j'ai dû oublier. J'ai dû manger trop vite, j'imagine. Oh, j'espère que c'était bon. Ça vient de la cabane à outils. Mais à ce moment-là, les espions ennemis étaient sur le point de couler l'Australie. T'es qui, toi? Et pourquoi t'as mangé mes lasagnes? Que je croyais avoir mangé moi-même alors qu'en fait, non. Pas la peine de répondre, je me fiche de savoir qui tu es. Pourquoi t'as fait ça? Allez, du balai! Tu peux pas le jeter dehors, Garfield. En fait, c'est un agent secret. Il essaie d'empêcher la transformation des humains en peau de banane. Mais ça peut être utile de sauver les humains. Sans eux, il n'y aurait plus de pizza. Le pauvre. Il se fait tard. Bon, d'accord. Il peut rester, mais juste pour cette nuit. Oh, et encore des lasagnes. Ah, une pizza, oui. Allez. Pas de temps à perdre. Il faut que je petit déjeune, que je déjeune et que je goûte avant le dîner. Quand faut y aller, faut y aller. Je crois que je vais commencer par une grande gamelle de... Mais où elle est, ma grande gamelle? Je sais pas pourquoi, mais je suis quasiment sûr de l'endroit où se trouve ma grande gamelle. Et là, ils m'ont poussé du haut de la falaise. J'ai fait une chute de plus de 35 mètres. C'est pas vrai. Comment vous en êtes-vous sorti? Heureusement, je portais ma fausse fourrure en angora, sous laquelle je cache toujours un parachute. Vous êtes tellement intelligent, Agent X. Pourquoi vous perdez votre temps à l'écouter? Il est tellement courageux. Il est allé dans tellement d'endroits, fait tellement de choses extraordinaires. Mais moi aussi, j'ai fait des choses extraordinaires. Ah ouais, comme quoi, Garfield? Où est-ce que t'es allé? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, eh bien, je sais pas par où commencer. J'ai regardé la télévision, j'ai mangé toutes sortes de lasagnes, j'ai dormi plusieurs nuits d'affilée dans le salon, j'ai mangé deux plats de raviolis en moins de 3 minutes. L'agent X est le plus fascinant de tous les chats que j'ai jamais rencontrés. Je vous ai raconté la fois où je me suis retrouvé ligoté à bord d'une navette spatiale. Je peux vous chasser de dangereux gangsters. On les appelait la bande des bandes. Hey, Squeak! Je sais pas toi, mais moi je croyais qu'un bon agent secret ne devait dévoiler ses secrets à personne. Et toi, Garfield, comment veux-tu que je suive l'histoire si tu parles en même temps? Oh, toutes mes excuses! Navré d'interrompre la réunion des admirateurs de l'agent X. Je te laisse tranquille. Oh, mais ce n'était pas contre toi, Garfield. Simplement, les histoires de l'agent X sont tellement captivantes. C'est pas juste. Non seulement ils me veulent mes amis, mais en plus ils me veulent mes repas. Non, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai votre numéro. Si jamais je vois ce gros chat, je vous appelle. Et je vous remercie. C'est lui, il n'y a aucun doute. C'est l'agent X. Je crois qu'il est temps que l'agent secret Garfield aille mener son enquête. Attends-moi, je ne suis pas toi. Il est entré dans cette maison. Je parie que c'est le quartier général secret des méchants espions ennemis. Sois prudent, Garfield. Ils ont peut-être des armes atomiques super puissantes ou je ne sais quoi. Je tente une approche. Couvre-moi. Ce grand bonhomme, ça doit être le chef de la bande. Quelqu'un d'extrêmement dangereux et de très puissant. À l'heure de nouveau. Toujours rien. J'ai montré la photo à tout le monde dans le quartier. Personne ne l'a vue. Je suis désolé, grand-mère. Il s'est volatilisé. Je veux pas perdre espoir. Il reviendra. Je suis convaincu qu'un jour, il reviendra à la maison. On peut t'offrir un autre chat. Mais je ne veux pas d'un autre chat, moi. Je veux retrouver mon Potachou. Potachou? Cet agent secret n'est pas plus agent secret que moi. C'est un imposteur. C'est juste un chat qui s'enfuit chez lui. Je vais révéler sa véritable identité et dire à ses admirateurs qui il est vraiment. Et s'il te croit pas? C'est là que j'aurai besoin de ton aide. J'ai un plan, Squeak. Écoute-moi bien. Il n'y a rien de plus beau que de contempler un coucher de terre sous la neige depuis la planète Mars.
Enfin, c'est ce que je croyais avant d'avoir vu vos yeux, douce Arlène. Pause ! Ça suffit ! Arrêtez la musique ! L'agent X est un imposteur. Son vrai nom, c'est Potachou. Il habite pas loin, avenue du Croissant. Je vous le jure. Oh, ça c'est ma couverture. Nous, les agents secrets, on a tous une couverture. Je fais semblant d'être un chat domestique. Tu devrais avoir honte, Garfield. Être jaloux à ce point-là. Jaloux? Moi? Détrompe-toi. Non, je suis content que ce soit un vrai agent secret. C'est vrai. J'aimerais pas avoir à affronter Joe la taupe. Qui c'est Joe la taupe? Joe la taupe est le plus célèbre de tous les espions ennemis. Je n'ai rien à craindre de Joe la taupe. Mes sources secrètes m'ont révélé qu'il se trouvait à plusieurs continents d'ici. Ah oui? Et qui c'est lui? Non. Oh. Vous n'avez pas à vous inquiéter, Agent X, vous pouvez le vaincre. Eh oui, comme vous avez vaincu les ninjas espions dont vous nous avez parlé. Nya. Alors, nous voici enfin face à face, Agent X. Non, il y a erreur. Vous vous trompez complètement. Je ne suis pas l'agent X. En réalité, je m'appelle Patachou. Ah, bien tenté, agent X. Mais je sais parfaitement que c'est vous. Vous m'obligez donc à utiliser les grands moyens. Je ne suis pas l'agent X, ce n'est pas moi, je vous le jure. Réussi, espèce de floussard. Il faut qu'on aille l'aider. Restez ici, vous deux, je vais me dévouer. Je vole à ton secours, agent X. Wow, Garfield est beaucoup plus courageux que je ne pensais. Non, je ne suis pas agent secret. Mon vrai nom, c'est Patachou. Je te propose un marché, Patachou. Toi, tu rentres chez grand-mère et moi, je m'occupe de Joe la taupe. Et je ne dirai rien à tes admirateurs, ça roule? Oui, ça roule. Je rends mon tablier, je quitte le monde des agents secrets. C'est trop dangereux. Ça, y a aucun doute là-dessus. Tu vas dire aux autres que c'était un menteur? Non. Pourquoi briser leur rêve, hein? Alors, Joe la taupe s'est enfui dans son jet top secret et l'agent X est parti à sa poursuite. Il m'a crié qu'on ne le reverrait sans doute pas avant de très nombreuses années. Il est vraiment extraordinaire. Wow. Mais toi aussi, Garfield, tu es très courageux. Oh. Yeah. Eh bien, il est vrai que j'ai aidé l'agent X à recharger son pistolet laser. Heureusement, j'avais des piles toutes neuves à la maison. Sauf que quand je suis allé les chercher, une bande de ninjas m'est tombée dessus. Alors... Je suis ravie de t'avoir à dîner ce soir, Lise. Ah oui, avant que j'oublie, essaie de ne pas arriver en retard, s'il te plaît. Très bien, je serai là pile à l'heure. Mais qu'y a-t-il de si important ce soir? Tu me fais une surprise? Non, mais si tu es en retard, il pourrait ne plus rien y avoir à manger. Même si elle est à l'heure, je promets rien. Je me mets à la cuisine d'ici peu, je compte préparer une dinde rôtie. Hein? Une dinde rôtie? J'ai gagné une dinde à la tombola, on doit me livrer d'une minute à l'autre. Je mets une option sur les cuisses et sur le reste aussi, d'ailleurs. Super programme. J'espère que Garfield m'en laissera un peu. Elise dit qu'il faut que tu lui laisses de quoi manger. Hein? La faim ne se raisonne pas. Je lui laisserai les os. On dirait que mon dindon arrive. Dindon, 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 dindon. En plus, il sonne à la porte. John Arbuckle, maison Gilbert, volailler de père en fils. J'ai un dindon pour vous. Merci. Hey, mais ce dindon est vivant. Monsieur Gilbert, le dindon, il est vivant. Et alors? Eh ben, c'est-à-dire que je peux pas le retirer comme ça.
En fait... Vous avez gagné un dindon, n'est-ce pas? Eh bien, le voilà, votre dindon. Si vous ne savez pas quoi en faire, ça ne me regarde pas. Oh, un dindon au dîner. Je vais avoir du dindon au dîner. Un délicieux dindon rôti au dîner. Miam, 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 miam. Bien sûr que t'en auras toi aussi. Je te garderai le bec. Ce soir, nous mangerons des lasagnes. Des lasagnes au dîner? J'ai des lasagnes au dîner, de délicieuses lasagnes au four. Des lasagnes? On mange du dindon. Si tu veux du dindon rôti, rien de plus facile. Mets-le toi-même au four. Au moins, c'est pas du surgelé. C'est pas lui qui est au menu ce soir. Désolé, Garfield. J'ai pas le cœur de faire cuire ce dindon et je suis sûr que toi non plus. Je déteste quand John a raison. Heureusement pour moi, ça arrive pas très souvent. Je vais faire une sieste. John avoir raison, voilà autre chose. Mais il a raison, je pourrais pas faire du mal à cet oiseau. Je crois que j'ai parlé trop vite. D'accord, monsieur Dindon, s'il vous plaît. Désolé de vous déranger, mais je voulais juste vous demander une toute petite faveur, si vous le permettez. Eh bien, comment dire, j'avais espéré que vous pourriez... comment tourner ça de manière subtile... Sortir de mon lit! Un dindon dans mon lit. Ah! Alors là, on aura tout vu. Et puis quoi encore? Alors ça, un dindon dans ma gamelle. Du balai, va dans la bouche! Ah, je crois qu'il a compris la leçon. Il devrait rester à sa place. C'est mon émission préférée, Garfield. Moi aussi. Elle est sponsorisée par un marchand de volailles. En fait, j'en connais un qui mériterait vraiment de penser à la casserole. Bon, je vais juste le faire sortir. Dis donc, toi, si tu aimes tant chanter, eh bien, tu vas le faire dehors. On t'a assez entendu. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Dindon. D'accord, dindon. Là, tu vas trop loin, je vais m'occuper de ton cas. Et où est-il? Attends, je crois que... Je le vois. Ça y est, je l'ai, je le tiens, dindon. Je t'ai attrapé par le cou, je suis pas prêt de te lâcher. Tu souhaites?
Ne me dis pas que toi aussi t'es allergique aux plumes. Ce dindon de malheur va tous nous rendre chèvres. Je vais l'attraper et le rapporter à Monsieur Gilbert. Oh, ça je demande à voir. Vous pensez que c'est facile d'attraper un dindon? Eh ben, pas du tout. Je crois qu'il est temps de laisser faire les spécialistes. Direction ma réserve spéciale. Maintenant, on va employer les grands moyens. J'ai tout ce qu'il faut ici. Costume de pirate, tenue de cow-boy, deux chats tigrés. Ouais, cela me sert pas vraiment souvent. Allez, zou. Ah, un costume de dindon. À part quelques miettes et des taches de gras, il est parfait. Salut, camarade dindon. John, t'es prêt? Je l'ai. T'en fais pas, Garfield. Je le rapporte à Monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert, j'aimerais vous rendre ceci. T'étais à deux doigts de l'avoir. Désolé, c'est pas un dindon, mais un chat déguisé en dindon. Je reviens. Je voudrais de la dinde, s'il vous plaît. Celle-ci coupée en quatre sans les poils. Cette fois, j'ai le bon dindon. Viens avec moi, Audi. Il est mignon, bien sûr, mais vraiment, nous ne pouvons pas le garder chez nous. D'accord, je vous le reprends. Vous lui trouverez un foyer accueillant. Un foyer? Ce n'est pas un refuge ici, vous savez. Vous n'allez quand même pas... C'est pourtant ce qu'on fait ici, monsieur. Et le gros orange, vous me le laissez aussi? Vu son poids, c'est une affaire. Ça va, je plaisante, je prends l'autre. Je me sens coupable. Nous ne pouvons quand même pas le... Hey, les gars, pas de panique, je m'en occupe. Parole de dindon. De chat. Réfléchis, je vais affûter mes couteaux. Je vais te faire sortir de là. Sens-moi ça. À tes souhaits, à tes souhaits, à tes souhaits. Allez, c'est bon. Au travail, je vais... Pourquoi tu éternues? Tu es malade? Réponds oui. Mais si tu as la grippe, tu vas infecter toute la boutique. Attendez, revenez. Reprenez ce dindon. Mais pourtant vous... Vous l'avez gagné, il est à vous. Fichez le camp d'ici tout de suite. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? John, on a bien dit qu'on aurait un dindon au dîner ce soir. Et ce sera le cas, nous aurons ce dindon au dîner ce soir. Je suis si impatiente depuis que John m'a dit que nous avions un dindon pour dîner. Et voilà, les amis. Voilà ce que vous attendiez tous. Ma spécialité de lasagne aux épinards. Tu crois vraiment que le zoo voudra l'accueillir? Mais oui, les enfants vont l'adorer. Et maintenant que nous avons eu le dindon à dîner,
pourquoi ne pas l'emmener au cinéma? Garfield, Oddy, je suis rentré. Doudou, mon grand. Regardez-moi ça. Les chiens n'ont-ils donc aucun amour-propre? J'ai une surprise pour vous, les enfants. Une surprise? Quel genre de surprise? Je veux ma surprise. Alors? Miaou, miaou, miaou. Qu'est-ce que je ferais pas pour un cadeau? Il a intérêt à être bien. Tada! Je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite beauté avant d'aller voir Lise. Je me suis humilié pour une simple brosse. Alors, qui veut l'essayer en premier? Garfield? Essaie-la toi-même. Seule ma toiletteuse a le droit de me tripoter la fourrure. Oddy, gentil chien, viens par ici. Un instant, Oddy. Oh, salut, Lise. Un déjeuner demain? Bien sûr, avec grand plaisir. Oddy, qu'est-ce que je m'ennuie? Oddy! Tout cinéma pour une brosse? Non, mais franchement. Nom d'un chat! Il m'aura tout fait. Il bat tous les records de stupidité. Oddy, tu veux jouer à chien perché avec moi? Hein? Mais comment ça, tu préfères passer du temps avec elle? C'est ridicule! C'est qu'une vulgaire brosse! On peut plus rien pour toi. Moi, en tout cas, j'abandonne. Hey, si jamais ta petite brosse te quitte, je t'offrirai une belle laisse pour pas que tu te sentes seul. À moi. À moi. Salut les poteaux, alors, ça roule? Écoute-moi, bonhomme, lâche tout de suite cette brosse ridicule avant qu'il te voie. J'ai ma fierté, moi. Je refuse d'être la risée du quartier à cause de toi. Salut, Garfield. Salut, Oddy. T'as l'air en forme, Oddy. Dis-moi, c'est une brosse que tu tiens là? Si tu veux savoir, c'est sa petite amie imaginaire. C'est monsieur qui dit ça alors qu'il emmène son petit nounours avec lui partout où il va. Quel petit... Je vois pas de quoi tu parles. Oh, regardez-le, je trouve ça trop mignon. Il me faut un plan pour me débarrasser de cette brosse. De nous deux, il y en avait un trop. Et si tu veux savoir, c'est toi.
Les chiens ont une mémoire de poisson rouge. D'ici une heure, il se souviendra même plus de ce qu'il cherche. Vous verrez. Mince, je suis encore en retard. Lise va me faire ma fête. Faut que je me dé... Audi, bon sang, tu peux me dire ce que tu fabriques? Ça suffit, arrête ça, vilain chien. Tu es un vilain chien. Oh, c'est toi, Alice? Bien sûr que j'ai pas oublié notre rendez-vous. Quelle idée, je suis déjà en route. Mais, au fait, tu connaîtrais pas un bon jardinier, par hasard? C'est insupportable. Tout ce cirque pour une stupide bosse, c'est ridicule. Oh, tiens, puisque tu parles de cette mystérieuse disparition, tu es certain que tu n'y es pour rien. Hein? Enfin, Arlène, tu me crois capable d'une chose aussi cruelle? T'as gagné, j'avoue tout. C'est moi qui ai réglé son compte à cette brosse. Et je peux te dire que c'est un service que j'ai rendu à Audi. Oh, à d'autres, arrête ton cinéma. Tu l'as fait parce que tu étais jaloux qu'Audi s'intéresse à quelqu'un d'autre que toi. Quelqu'un d'autre? Mais c'est une brosse dont on parle, je te rappelle. Pour Audi, c'était bien plus qu'une simple brosse, voyons. Et tu le savais parfaitement. C'est bon, il s'en remettra. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il va nous falloir plus de café. J'en peux plus. Et puis pourquoi j'ai pas de lasagne ce matin? Désolé Garfield, je suis trop fatigué pour cuisiner quoi que ce soit aujourd'hui. Bon, le manque de sommeil passe encore, je peux tenir le coup. Mais pas de lasagne au petit déjeuner, ça c'est tout simplement intolérable. Il faut que je fasse quelque chose. Je suis navré, monsieur. Une brosse avec des poils et un manche. Parfait. On n'y verra jamais la différence. Oh, ben ça alors. Regarde-t-il là. Mince, il est pas aussi crétin que je le pensais. Qui le crut? D'accord, c'est bon, t'as gagné. Je vais te montrer où est ta copine. C'est ici que ta chair est tendre et prisonnière. Ah, elle pue la brosse. Oh, la voilà! Non, Audi, attends! Je vais perdre une de mes 9 vies si ça continue. Tout ça pour une brosse. Désolé mon pote, mais c'est une urgence. Hé, ma plante! Je te le rendrai, parole de Garfield. Allez mon Toddy, et n'oublie pas de boucler ta ceinture. Attention, ça va se couper. Je peux pas finir dans la rubrique des chats écrasés du journal local. C'était moi. Berk,
quelle odeur! Odie, non, arrête! Reviens, vilain chien! Vilain! Quelqu'un peut rallumer la lumière? Fais attention! Je suis trop jeune pour être recyclé! Bon, t'es content? C'est bon, on peut rentrer maintenant? Ah, vous voilà! Où étiez-vous? Je vous ai cherché partout! Quelle odeur! Vous sentez mauvais, on dirait que vous sortez tout droit d'un tas d'ordures! Oh, si vous voulez bien m'excuser! Je sens rien, moi! Tu sens quelque chose? Odie! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Dis-moi, ma jolie, tu es libre ce soir? Je te trouve au poil. Me réveiller est une faute, un délit, un crime qui mérite 15 ans de prison dans une cellule. Sans fenêtre, sans lit et sans oreiller. Bon, d'accord, avec une fenêtre. Bon. Allons voir qui est assez idiot pour ne pas faire la sieste à une heure pareille. Oh, c'est toi, Harry? Qu'est-ce que tu cherches, dis-moi? Eh ben, des restes, pourquoi? Dans cette maison, il n'y a jamais de restes. Ouais, visiblement. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de manger un bon petit oiseau bien dodu dans ce genre-là, tu vois. Hein? Il a l'air appétissant, hein? Mais je parie que ça fait un bon moment que tu le guettes, celui-là, je me trompe? Ouais, tu te trompes. Je n'ai jamais chassé d'oiseau plus petit qu'une dinde farcie au pruneau avec des pommes de terre, des marrons et une sauce au beurre comme celle que fait la mère de John. Comment ça, tu chasses pas les oiseaux? Oh, je laissais tomber. Trop de boulot, trop de plumes, pas assez à manger dessus, non. Alors dans ce cas, ça te dérange pas si... Fais comme chez toi. Petit, petit, me voilà. D'accord, t'as gagné l'oiseau, mais la prochaine fois je t'aurai. Il y aura peut-être quelques restes dans les poubelles de la rue d'un côté. Oh, chasser les oiseaux, c'était sympa. Mais il est hors de question que je m'y remette. C'est fini pour moi tout ça maintenant. Non, c'est pas fini. Je vais chasser les oiseaux.
On n'en rit pas. Si vous étiez un chat, vous comprendriez. Attention! La chasse est ouverte. Dans le jardin des voisins, mais il ne m'échappera pas. Bien par la voir. Je vais tout simplement attendre qu'elle revienne et là, je l'attraperai. Faudra bien qu'elle revienne. Ses œufs sont ici. Barbecue dans le garage, Muriel. Comme vous voyez, je suis toujours là à attendre le retour de mon dîner. Elle est vraiment marrante, la BD de Garfield, aujourd'hui. Ah, il suffit d'être patient. Ouah, peu importe le temps que ça prendra. Elle devrait pas laisser ses œufs comme ça sans surveillance. Surtout quand il y a un chat comme moi dans le coin. Qu'est-ce qui cloche chez cette maman oiseau, hein? Elle laisse ses œufs sans surveillance toute la journée. Oh, il fait frisquer. Ça ne doit pas être très bon pour eux, ça. Après tout, c'est pas mon problème. Je la chasserai demain quand elle sera revenue. Elle va finir par revenir. Elle va revenir s'occuper de ses petits œufs tout mignons. La mésange femelle pond entre 2 et 5 œufs de couleur bleu clair. Salut Garfield, je suis en train de regarder un documentaire passionnant. Ça concerne la nourriture pour chat? C'est sur les oiseaux et leurs œufs. L'incubation, soit la période durant laquelle la maman couvre les œufs pour les maintenir au chaud, dure environ 2 semaines. Il ne fait pas assez chaud au-delà. Si la mère ne maintient pas les œufs à une certaine température, les œufs sont perdus. Perdus? Oh. Non, mon petit Garfield, tu l'as dit toi-même, ce n'est pas ton problème. Mon problème perdu. Oh, n'importe quoi. Ah, je sens que je vais faire de beaux rêves cette nuit. Perdu? Je vais juste m'assurer que la maman est revenue couver ses œufs. Bah, elle est forcément revenue. On dirait que non. Alors, voyons. Oh, ça va pas du tout. Ah non, faut faire quelque chose. Hmm? Peut-être qu'un cache-nez ou un radiateur électrique ferait l'affaire. Par contre, je sais pas où on pourrait le brancher. Oui, je sais à quoi vous pensez. D'accord, mais vous dites rien. Et voilà, je vais vous tenir au chaud. Mais c'est juste le temps que votre maman revienne, entendu? Elle sera là d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre. Oh là là, en voilà une sortie. Et en voilà un autre. Et encore un autre. Ou une peut-être. Oh, je suis maman. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, je ne suis pas votre maman. Oh. Ça suffit.
je ne suis pas votre maman, je suis un chat, je vous jure, sans blague, tenez, écoutez ça. Vous voyez, hein? Bon, ben je vous laisse. Ça me plaît pas trop d'abandonner ces petits. Mais j'y connais rien, moi, question oisillon, c'est vrai. Non, pas maman, mais enfin, vous trouvez qu'on se ressemble? Non, mais franchement... Ce serait pas l'heure de la sieste, par hasard? C'est toujours l'heure de la sieste. Ah, est-ce qu'ils sont mignons? Mais bon, je suis pas fait pour être leur mère. Voilà. Mais vous pouvez pas rester là. Et puis on ne se baigne pas dans mon bol d'abord. C'est moi qui commande ici. Vous ne pouvez pas vivre avec moi. Et arrêtez de m'appeler maman. Au nid maintenant. Vous ne bougez plus d'ici. Est-ce que c'est bien compris? Ne me regardez pas comme ça. Je peux pas m'occuper de vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprenne à voler. Moi, je vole pas. Vous avez besoin de quelqu'un qui mange des asticots comme vous. Et là, c'est trop me demander. Je vais plus les regarder. Votre vraie mère va sûrement revenir de toute façon. Allez, à la prochaine, les petits oiseaux. Ça va aller pour vous. Et si la maman ne revenait jamais? Ils vont avoir froid. Ils vont avoir faim. Et ils vont se faire manger par Harry. Mes pépés. Bon, on se calme les piafs. Vous allez me couper l'appétit. Hey, donne-moi ces oiseaux. C'est moi qui les ai vus en premier. Je te répète, donne-moi ces oiseaux. C'est mon repas. Rends-moi ça tout de suite. Tenez bon, mes bébés chéris. Si Harry nous rattrape, vous finirez en sandwich. Voleur, c'est mon sandwich aux oiseaux. Il m'échappera pas, Garfield. Je cours plus vite et je suis plus fort. Viens ici, Garfield. C'est vrai qu'il court vite. Il faut que je trouve une cachette. C'est vraiment pas juste, hein? Je mange pas dans ta gamelle, que je sache! Oh, grosse erreur! Je suis coincé! Grosse erreur, t'es coincé! Je vous l'avais dit. Non, stop! Ne leur fais pas de mal! Ni à moi, d'ailleurs! Surtout pas à moi! Enfin, l'heure du déjeuner! Non! Laisse-moi, va-t'en! Aïe! Arrête! Je mangerai plus d'oiseaux! Plus d'oiseaux de toute ma vie, c'est fini! Plus jamais d'oiseaux! Non, 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 je suis un ami, c'est moi qui les ai sauvés! Non, les petits, votre maman, c'est elle! Salut, boule de plume. À bientôt. D'accord, j'ai sauvé des oiseaux. Mais ça reste entre nous. Attention, je vous ai à l'œil. Dehors, réveil de malheur. Et ne reviens jamais sonner ici où tu finiras en pièces détachées. Bonjour, Garfield.
dehors, Squeak. Les réveils matins devraient être interdits à la vente. Salut, Garfield. Ah, bonjour, Squeak. D'abord réveil, ensuite matin. Deux mots que je déteste. Pourquoi pas sommeil midi ou sieste mélodieuse? Salut, salut, Garfield. Salut, salut, Squeak. Il déraille pas un peu, Squeak? C'est la troisième fois qu'il me dit bonjour. Ben, j'en étais où? J'ai une de ses fins. Encore un des derniers essais. Hé, il y a des souris et des âmes ce soir à la télé. On dirait que c'est la fête des souris ici. Ouf, après tout, c'est leur affaire. Mais là, ça devient mon affaire. Squeak! Tu m'as appelé? Tu vois quoi dans ma gamelle? Rien. Oui, et c'est bien le problème. Ah bon? Écoute, Garfield, on est amis depuis longtemps. Sois sympa, je peux tout t'expliquer. On ne touche pas à ma gamelle. Mais c'est ma famille, Garfield. Ce sont tous des oncles, des cousins, des neveux. Ils ont tout perdu. Ils vivaient si heureux dans cette vieille maison du coin de la rue qui a été démolie. On ne touche pas à ma gamelle. Je ne pouvais quand même pas les mettre dehors. Sans abri, sous la neige, par ce vent glacé. Il fait 33 degrés à l'ombre. Tu connais la règle, on ne touche pas à ma gamelle. Tu me serres un peu fort et je t'assure qu'ils vont se tenir tranquilles. Ils peuvent même être utiles et pourquoi pas, tiens, être tes serviteurs. Mes serviteurs? Uniquement à mon service? Dorénavant, je prendrai mes raisins sans la peau. Sans la peau? Oui, et sans pépins aussi. Et pépinés? Oh! La vie est dure, parfois. Combien de temps je pourrais tenir comme ça? Oh, je ne sais pas, peut-être 20, 30 ans. Plutôt 20 ou 30 petites secondes. Vite, tous aux abris! Couvre-feu! Garfield, on est rentrés! Malheureusement. C'est quoi le problème? Si John découvre que la maison est pleine de souris, je suis cuit. Ok, pigé. Ah, tu es là, Garfield. On dirait que tout s'est bien passé pendant mon absence. Ah oui, tout s'est bien passé. Ah, oh, dis, remballe cette ignoble langue baveuse ou je t'en fais un foulard. Tu sais, ça me rassure que mon chat soit à la maison quand je suis sorti. Et moi, j'adore quand t'es pas là. C'est bon de savoir la maison à l'abri des voleurs, des colporteurs, des rongeurs, surtout des souris. Non, dis, ça ne sent pas du tout la souris. Tu dois être victime d'une hallucination olfactive. Fais-toi réviser la truffe. En promenant Audi, je me suis dit vivement que je sois chez moi. Je vais m'asseoir et bouquiner tranquillement dans mon fauteuil. Je sais que ma maison est garantie sans souris. Je peux avoir une vie sereine sans craindre que des souris envahissent mon petit paradis. Ah, je reviens. J'ai un petit creux, moi. C'est pas supportable là-dessous, un peu plus chaud. Au lieu de cuisiner, pourquoi ne pas commander des lasagnes chez Luigi avec Garfield? Je rêve ou c'est une souris? Une souris? Quelle souris? Dans ta patte. Ce ne serait pas une souris. Quoi, ça? Oh, qui est un jouet, d'accord? Oh non! Non, c'est qu'un petit jouet pour ça. Ça fait même quick, quick. Oh, c'est juste un jouet pour chat qui fait quick-quick quand on appuie dessus. Quick, quick. Ouais, pas très réaliste. Bon, tant que c'est pas une vraie. Ah, oh.
Je l'ai. Raté. Garfield a dit de rester caché. Garfield, c'est toi qui as fini mes biscuits préférés? Oh, on ferait mieux de filer. Comme si je ne te nourrissais pas assez. Il y a des souris dans le placard. Oh non, il y a des souris dans le tiroir. C'est privé. Vous gênez, vous voyez pas que je suis dans mon bain, non? Garfield! On m'appelle? Oh, mais il y a des souris partout. Mais comment est-ce possible? C'est incroyable. Oh, j'entends qu'on a besoin de moi là-bas aussi. Garfield, c'est par ici que ça se passe. J'avais trouvé ce site il y a quelques semaines, au cas où. La société s'appelle Ratator Express. Ratator Express? Viens voir par ici. Mais si on profitait plutôt d'être connecté pour commander une pizza, tu disais que t'avais faim. Des rongeurs dans votre intérieur? N'attendez pas. Contactez Ratator Express. Une de nos équipes de spécialistes se présentera à toute heure chez vous pour chasser l'envahisseur. Le rongeur qui survivra à Ratator Express n'existe pas. Il pourra toujours courir, ramper, supplier. Il n'échappera pas à nos techniciens souricides. Ratator Express, la terreur des rongeurs. Cliquez ici pour une intervention dans l'heure. Je ne vais pas cliquer. Enfin, pas maintenant. Parce que c'est cher et qu'il y a un chat à la maison pour chasser les souris. Et ce chat, c'est toi. Alors, tu vas me débarrasser de toutes ces souris. Jusqu'à la dernière, compris? Audi? Je vais prendre l'air. Viens, Audi. Mais si quand je reviens, il reste une seule souris, je n'hésiterai pas à appeler Ratator Express. Et je déduirai la facture du budget nourriture pour chat. Ce qui veut dire adieu aux lasagnes et pour un bon bout de temps. Un bon bout de temps? Plus de lasagnes? Mais c'est m'ôter mon unique raison de vivre. Hé, les gars, non, faut partir maintenant. Hé, oh, les souris. Youhou! Appel à toutes les souris, c'est l'heure de décamper. Squeak! Quoi? Ils sont partis, non? On peut profiter de la maison. Non. Vous devez partir. Tous, tout de suite, là, maintenant. Pas question. On est à peine installés. On n'a même pas exploré toutes les pièces. Tu essayes de me faire peur, là. Bah, à quoi tous les chats font ça? C'est les autres chats qui mangent les souris. Tu comptes manger des souris, Garfield? Arrête, t'as rien d'y penser. Ah, tu vois, on n'a vraiment aucune raison de s'en aller. Inutile d'insister. Je peux pas toucher une souris, c'est génétique. Qu'est-ce que je vais devenir des années sans lasagne? Si je trouve pas une solution rapidement. Ratator Express, j'en ai encore le poil tout hérissé de leur horrible spot publicitaire. Je sais! Viens, Squeak, j'ai quelque chose à te montrer. J'allais commencer mon sandwich. Plus tard, allez, il y a plus important. Ratator Express, la terreur des rongeurs. Cliquez ici pour une intervention dans l'heure. C'est affreux. Tu peux pas laisser faire ça. J'aimerais t'aider. Tu me connais, mais John n'hésitera pas, à moins que... Que quoi? À moins que vous ne suiviez tous mon plan. D'accord, tout ce que tu voudras. Rassemble le conseil de famille. On va faire une répétition avant le retour de John. Garfield, c'est nous. Tu t'es occupé des souris? Je vois. J'ai compris. J'appelle Ratator Express. J'en ai assez! Et tant pis pour toi, Garfield, je t'avais prévenu. Tu as assuré avec ces souris. Oui, c'est un don, c'est certain. Là, tu mérites une vraie récompense. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Oh?
chez Luigi, le roi de la lasagne, livraison à domicile. Pourquoi pas, Garfield? Je te commande une bonne barquette bien fumante. Pardon. Oh, dis, tu me refais ça une seule fois et tu finis dans le sac avec les autres. Voilà, voilà. Garfield, les lasagnes sont arrivées. Garfield. Allez vite, placez-vous au fond. Merci pour tout, Garfield. Mais je t'en prie. Et surtout, amusez-vous bien chez Luigi. Tu parles. Lasagne et fromage à volonté. À la prochaine. Lasagne à volonté? À volonté? Garfield, tes lasagnes sont là. Bizarre. D'habitude, il est là en 3 secondes. Luigi! Luigi! Où es-tu? Oh, te voilà, Luigi, j'ai fait quelque chose. Il faut appeler le directeur pour me débarrasser de toutes ces souris. Mes souris, ce n'est rien. C'est pour me débarrasser de lui que je vais avoir besoin d'un coup de main. Je crois que je vais bien me plaire ici.